Je me rase dans la salle de bain, tu comprends? Et je me brossais les dents dans ma baignoire. On n'est plus dans la salle de bain, il me semble. Et t'es habillé en quoi, là? Je ne sais pas, je t'ai pas habillé comme ça, moi. Et moi, je porte quelque chose de bizarre. Mais nous ne sommes plus au studio, n'est-ce pas? On n'est pas au studio, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est très étrange. Nous étions en train de faire nos trucs habituels et nous nous sommes retrouvés ici. Et on ne sait pas trop où. J'étais en train de me raser et voilà, maintenant, je me raserai plus. Écoute, il y a quelque chose derrière la fenêtre. Ah oui, il y a quelque chose ici. Allons voir. Je sais pas. Peut-être qu'on trouvera rien, qu'il n'y a rien ici. Peut-être qu'on sortira un jour et j'arriverai à nouveau à la salle de bain et que je pourrai enfin me raser. Nous devons comprendre ce qui nous est arrivé. Pourquoi nous sommes ici et où nous sommes? Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est l'espace, Pacha. C'est très étrange. Pourquoi notre studio est-il apparu dans l'espace? Ah, peut-être que ce n'est pas du tout notre studio. Peut-être qu'il en a l'air, mais c'est bizarre. Sans que ça bouge. Ah, c'est jamais arrivé ça dans notre studio. Non. Ça bouge comme si on était sur un bateau. Nous devons vraiment être dans un vaisseau spatial. Waouh, regarde, il y a quelque chose qui est là. Oh, nous n'avons jamais vu de telles choses dans notre studio, mais qu'est-ce que c'est? Attention, basculement. Regarde, il y a une table et un bouton. Alina, t'appuie pas dessus là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas bon qui sortira de là. Pacha, puisqu'il n'y a qu'une table et un bouton, pourquoi ne pas appuyer dessus? Exactement, c'est ça. Réfléchis bien. Quelqu'un a mis une table ici avec ce bouton. Il n'y a rien d'autre ici. C'est exprès pour qu'on appuie dessus. Il va se passer quelque chose d'horrible, je pense. Pacha, détends-toi. Nous appuyons toujours sur tous les boutons. Qu'est-ce qui se passe ici encore? Comment on est apparu ici, mec? Oh! Les voilà, ces gens me disent attrapez-les! Les monstres, on les attrape! Il faut se sauver! Allez, on les attrape! Pacha, cachons-nous ici pendant qu'ils nous cherchent, on va trouver un plan! Alina, je t'avais dit de pas appuyer sur ce bouton! C'est rien arrivé! Je t'avais demandé! Il n'y avait même pas de légende disant de ne pas appuyer sur le bouton! Tu aurais dû le deviner! Chaque fois que nous appuyons sur un tel bouton, il se passe toujours quelque chose de bizarre! Bon, puisque c'est ma faute, utilisons mon spray d'amitié! Oui, il va nous sauver là! Faisons-le alors! Ça fonctionne très simplement, si tu vaporises parmi les monstres, ils deviennent immédiatement amicaux! Super! On peut même jouer avec eux! Et d'ailleurs, où tu l'as trouvé? Et comment l'utilises-tu? À quoi ça sert? L'endroit où je l'ai trouvé, c'est un secret. Et je m'en sers quand vous vous disputez toujours pour des biscuits. Vous les partagez tout de suite avec moi. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Eh bien, Pacha, je n'ai qu'un peu de ce spray. Et il n'y a que deux dans le monde. J'en ai un et je ne sais pas où est l'autre. Eh bien, puisque nous l'avons, dépêchons-nous de l'utiliser. Allez! J'en ai pas assez. Allez, plus vite, allez, la plus vite! Ah, c'est quoi cette odeur? Ça sent bon! Ah oui! Les gars, écoutez, ça sent vraiment bon! Les gars! Pourquoi vous cachez-vous là-dedans? Sortez, sortez! On est tous des amis! Waouh! On dirait que ça marche! C'est génial! Bonjour! C'est cool qu'on soit tous là! Maintenant, on peut jouer à quelque chose! Jouons! Est-ce que quelqu'un a apporté des jeux de société? Et si on joue à pierre, papier, ciseaux? Tu n'as pas toi! Comment vas-tu jouer? Les gars, vous ne pensez pas que nous sommes déjà dans une sorte de jeu? Regardez, nous sommes dans l'espace! Nous nous tenons près de la table de réunion et nous portons des costumes de couleur! Oh. C'est Among Us! Among Us! Il y a des civils et un traître. Le rôle du traître est d'éliminer tous les civils et de gagner. Quant aux civils, ils doivent accomplir les missions qui leur étaient données dans la station de démasquer le traître. Et si le gardien de la paix trouve un joueur assommé ou s'il soupçonne quelqu'un d'être un traître, il doit appuyer sur ce bouton rouge pour organiser une réunion au cours de laquelle les gardiens de la paix essaieront de découvrir qui est
est l'imposteur. À son tour, l'imposteur dispose d'une fonction spéciale qu'il peut utiliser pour éteindre les lumières dans tout le bateau ou bloquer les portes pendant quelques minutes afin d'accomplir ses méfaits. Vous avez compris, les gars? Oui. Ok, mes chers amis, il y a maintenant une carte devant vous qui vous dira quel est votre rôle et ce que vous devez faire dans ce jeu. Tout le monde est prêt, les gars? Choisissez une carte, observez attentivement pour qu'aucun de vos voisins ne découvre votre rôle. Cette fois-ci, tout le monde a regardé? Oui! Alors, il est temps de jouer! Oui! Les gars, aidez-moi, je ne vois pas qui je suis! Les gars, je ne suis qu'une simple civile. Je n'ai pas à craindre. Et ma première tâche est de m'occuper de ce thermomètre. Il fait très froid sur notre vaisseau, 20 degrés. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Il nous faut 30 degrés. Donc maintenant, je vais arranger tout ça. Ok, les gars, on doit d'abord tout réinitialiser. Appuyer sur 0, puis E. Très bien, les gars. J'ai mon rôle d'imposteur et mon préféré. Je vais définitivement gagner ce jeu. Ma première victime sera Alina. D'accord, c'est ça? Alina, bonjour. Tu es en mission? Tu me surprends pas derrière. D'ailleurs, j'ai préparé une belle température pour nous tous. Et moi aussi, j'ai cette mission. J'en ai déjà fait une, d'ailleurs, avec les fils, tu sais. C'est bien, Bruno. Dommage qu'il ne soit pas mon Bruno, mais le Bruno a un bouton. Tu m'as tellement manqué, comme d'habitude. Tu as un Bruno personnel? Ils ont tous un Bruno personnel. Arrête! D'accord, faisons vite ce travail, parce que je dois aussi régler la température de notre vaisseau spatial. Je l'ai déjà réparé. Tu dois encore la casser? D'accord. Je l'ai cassé. Ça n'a pas marché. Je vais l'attraper plus tard. Ok, les gars. Ma mission est quelque part par là. Allez, 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 je vais la trouver. Ah, la voilà! Regardez, les gars, voici ma mission. C'est le bouton d'inscription que je dois rendre gris. Il est rouge maintenant. Il est censé être gris. Non? Très simple, non? J'y arriverai de toute façon d'une manière ou d'une autre. Ça ne marche pas? Dans tous les cas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est pas aussi simple que je pensais. Hey, les gars, je suis sûr que vous pouvez m'aider. Au! D'accord, ok, c'est rien, je m'en remettrai. Mais la rendre grise, ça me convient pas là. Mais toi, tu peux m'aider, c'est très simple. Il suffit d'aller sous la vidéo, de trouver le bouton d'abonnement et de cliquer dessus. Je la rendrai grise. Allez, c'est bon, vas-y, allez. C'est bon, vous pouvez le faire. Vous l'avez déjà fait? C'est bon? Oui? Oui? Ouah! Vous avez réussi? Oui. Voyons voir si je peux y arriver maintenant. Oh! Très bien, les gars! Merci beaucoup! Je n'aurais pas pu le faire sans vous! C'est génial! Eh bien, il se trouve que j'ai réussi grâce à vous, hein! Ça y est! C'est tout! J'ai aussi augmenté la température sur notre bateau pour qu'elle soit confortable! Boudon, Bruno! Tu sais que t'es plus petit de 10 cm que la moyenne des Bruno! Ce n'est pas grave! Tout ce qui compte, c'est que nous avons une mission à accomplir! Écoute, pourquoi ne pas aller faire toutes mes tâches et après on fera les tiennes? Non! Faisons d'abord les miennes et ensuite les tiennes! Alors, allons-y! Ah, d'accord! L'important de se serrer les coudes! Je ne sais toujours pas si je suis un civil ou un prêtre! En voilà une cible facile, mon ami vert. Il ne voit rien. Je vais me faufiler jusqu'à lui et l'assommer. Oh non, j'ai encore fait du bruit. Qui est là? Qui est là? Reculez ou je vais vous chasser. Mais arrête-toi! Arrête-toi! Je suis gentil. J'essaie de t'aider. Je ne te crois pas. Éloigne-toi de moi. Tu mens. Tu mens. Attends! Où c'est que tu t'enfuis? Attends-moi! Attends-moi! Attends! Viens par là! Attends! Eh bien, le premier est prêt! Apparemment, j'étais un civil! Oui, Bruno, c'est un blaster! Piou, piou! Tu ne comprends pas, c'est un blaster! C'est vraiment un blaster, ça! Je ne comprends pas du tout comment faire cette tâche! Regarde! Oh, Alina, qu'est-ce qu'on fait? Oui, il faut se calmer et courir vers le bouton rouge! D'accord, courons!
Ah, Alina, qu'est-ce qui vient de se passer? L'imposteur aurait dû bloquer la porte pour nous. Il a fait exprès de nous prendre au piège. Je ne vois pas qui c'est. Je vois bien quelqu'un marcher là-dedans, mais je ne comprends pas qui est exactement l'imposteur. Ok, toi et moi, nous connaissons exactement une vérité. Tu n'es pas imposteur. Je ne suis pas imposteur. Et le verre n'est pas imposteur non plus. C'est une bonne nouvelle, parce que je me doutais bien que c'était toi. Ou alors, c'est toi. Tu as juste fermé les portes pour qu'on aille nulle part et piégé le verre. Mais les gars, vous avez vu par vous-même que je n'avais pas de télécommande d'imposteur. Juste ce blaster intergalaxique. Encore bonjour les amis, j'ai une autre mission là pour vous, regardez. Vous voyez ces anneaux? Il faut les jeter sur ce poteau. Et... ouais, comme vous pouvez vous le voir, c'est pas si facile, ça y est là. Si c'est la première fois que tu le fais... ah zut, c'était presque. Zut, c'était encore presque. Ah! Et si personne ne regarde... comment j'ai réussi ça? Waouh! Regarde, regarde comment j'ai fait, regarde, regarde comment j'ai lancé. Oh! Regarde comment j'ai réussi ma mission! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est le bruit d'une porte qui se ferme. Je me souviens qu'Aline avait dit que les traîtres pouvaient faire comme ça. Eh ben, tout le monde peut probablement fermer la porte, mais il y a un son si particulier, c'est comme un bruit de traître. Je vais aller voir si je peux aider quelqu'un d'autre. Voyons voir d'où vient ce bruit. Oh! Voilà! Voilà! Ah, c'est facile. Bon, on les laisse sortir, allez. Pacha, nous sommes fermés. Oui, oui, je comprends, mais je ne sais pas comment ouvrir la porte, elle s'ouvre pas. Tu nous as enfermés? Non, j'ai des notre vaisseau spatial à voler, j'ai lancé des anneaux. On dirait que vous allez devoir rester ici encore quelques jours, le temps que je puisse trouver un moyen de sortir d'ici, ok? La porte s'ouvrira dans 2 minutes. C'est le temps qu'un traître peut mettre pour fermer une porte. Mais dans ce laps de temps, il aura peut-être encore le temps de commettre quelques crimes. L'un d'entre eux a déjà été tué. Il faut trouver la prochaine victime. Oh, Cartoon Dog, je suis si content de te voir. Restons ensemble. J'ai un peu peur, en fait, je te jure. Moi aussi, je suis content de te voir, mon ami. Tu n'as pas entendu, en fait? La porte s'est refermée et je me sens un petit peu mal à l'aise, en fait. Oh, non. Je n'ai rien entendu. As-tu entendu quelque chose, toi? Mais tu agis de manière assez suspecte. Tu deviens un petit peu nerveux ou quoi? Je suis nerveux parce que, en fait, je suis un imposteur. Encore un. Que faire, hein? La porte s'est ouverte, Pacha! Il faut courir d'urgence, appuyer sur le bouton rouge et rassembler tout le monde! Non, stop! Qu'est-ce que c'est celui-là, là? C'est un ami vert, il est assommé! Vous êtes des imposteurs! Oui, Pacha, calme-toi! Si l'un de nous était un imposteur, il n'y aurait pas de personne de vous ici, mais deux personnes couchées! Oui. Il n'y a qu'un seul imposteur dans ce tour! Comment as-tu pu ouvrir la porte alors qu'elle était fermée, hein? Dis-moi! L'imposteur a bloqué notre porte pendant 2 minutes, puis 2 minutes plus tard, elle s'est ouverte. Ok, tout l'air de coïncider. Alors, on appuie sur le bouton tout de suite. Peut-être que c'est toi qui a bloqué la porte, parce que tu étais devant la porte pendant tout ce temps. Comment tu oses? J'étais là en mission, je suis entré pour vous aider. J'ai rien à faire avec tout ça, là. Qu'est-ce que tu dis, toi? Maintenant, on va appuyer sur le bouton rouge et faire une réunion pour savoir qui a fait ça. Les gars, j'ai fait une réunion parce qu'on a eu une sorte d'accident. Tout d'abord, nous avons été avec le bouton Bruno pendant tout ce temps. Donc il n'est absolument pas un imposteur. Parce que si un traître met Bruno ou moi hors d'état de nuire, alors vous savez, on n'est pas des imposteurs, nous. Ce n'est pas tout à fait ça, non. Et surtout, on a trouvé un ami arc-en-ciel vert illuminé dans la salle de douche. Je n'ai des soupçons que sur le jaune, car il était le seul derrière la porte fermée de l'imposteur. Je n'ai rien à voir avec ça, là. Je vous ai dit que j'ai essayé de vous aider. Je n'essaierai pas la prochaine fois. J'ai accompli la mission, j'ai aidé notre vaisseau à voler plus loin. J'ai accompli notre tâche. Je suis venu et vous êtes enfermé. Je n'y suis pour rien. Est-ce que quelqu'un ici a déjà rencontré un jaune dans tout le jeu? Attendez, la lune n'est plus là non plus. Quelqu'un a dû l'assommer lui aussi. Et je crois que c'est Cartoon Dog. Moi aussi, j'y suis allé.
j'accomplissais une mission, mais je pense que c'est le jaune et il a fermé la porte. Quoi? Tu vas voir, toi. Tu veux m'accuser? Et dis-moi, t'as des preuves? Attendez, les gars. Ne vous chamaillez pas. Je suis sûre d'une chose, c'est qu'il y a un posteur à côté de moi. Mon on ne l'éliminera personne pour l'instant. Nous ferions mieux de jouer, de nous courir. Qui est le véritable imposteur? Ok, on commence le nouveau tour. Et cette fois, nous allons découvrir qui a trahi notre équipage. Eh bien, les gars, la mission est en fait extrêmement simple. Il faut connecter tous les fils. Comme vous pouvez le voir, j'ai presque tout assemblé. Il ne reste plus qu'un seul. Et alors, l'électricité sur notre maison fonctionnera mieux. Eh bien, celui-là est le plus facile à tuer. Regardez. Aïe, 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 aïe. Et voilà, vous voyez? Carton Dog! Comment t'as pu? Hein? Non, ce n'est pas ce que vous croyez! Ne bougez pas! Réunion! Aïe, il est après nous! Attendez! Sauvons-nous! Venez ici! Arrêtez! Arrêtez-vous! Réunion! Je ne comprends pas! Pourquoi nous nous rencontrons à nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de très important! Nous avons vu avec Bouton! Comment Cartoon Dog! A assommé le rouge! Sous nos yeux de Bouton, Pacha, fais-nous confiance. Désolé de t'avoir accusé, mais cette fois, je suis sûr que le traître, l'imposteur, Cartoon Dog, je vote contre lui. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Je l'ai vu tuer et je me suis approché de lui. Oui, Cartoon Dog, on te croirait s'il n'y avait pas un maire. Peut-être qu'il dit la vérité parce que nous sommes arrivés et le rouge était déjà à terre. On l'a vu tendre la main et le rouge est descendu. Tu ne l'as pas vu ou quoi? Je tente ma chance pour vous. J'espère que vous ne vous moquez pas de moi. Je vote contre Cartoon Dog. C'est tout, Cartoon Dog. Monte ta carte. Bon, d'accord. Je n'ai pas pu tuer tout le monde. C'est parti pour le prochain tour. Prochain tour. Encore vous? Alina, il y a déjà d'autres monstres ici. Pourquoi d'autres? Je ne la connais pas non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Carton de carte, pourquoi tu es assise? Allez, montre-lui ou je vais le faire moi-même, tu vas voir. Quoi? Qu'est-ce que tu vas me montrer? Carton de 4, toi et moi, nous avons une bonne discussion, n'est-ce pas? On n'a eu aucun problème. Je me souviens de ce qui s'est passé la dernière fois. Alina, donne-moi vite ton spray, vite. Donne-lui. Le spray. Oh, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas, moi non plus, ce qui t'a pris là. J'ai cru que tu allais m'étrangler. T'es fou. Bon alors les gars, jouons, tout le monde n'est pas encore là ou quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, alors jouons, asseyez-vous. Et qu'est-ce que vous faites là, tous debout là? Hein? Comme s'il y avait une raison. Pacha, à cause de toi, je n'ai presque plus d'esprit amical. Mais quand personne ne nous attaque, bien sûr, on n'en a pas besoin, hein. Mais là, par contre, j'ai été attaqué maintenant, donc c'était nécessaire. À quel jeu on va jouer alors les gars, hein? Oui Alina, à quel jeu on joue maintenant? On va jouer à Among Us cette fois-ci. Wow, super, enfin. Among Us, c'est mon rêve. Il aime tellement Among Us que nous ne manquerons pas l'occasion d'y jouer avec toute notre nouvelle équipe d'amis. Oh. Et on commence. Les gars, tout le monde a un rôle. Regardez-le et commençons à jouer. Youhou. Les gars, allons accomplir nos tâches. Allons-y. J'ai une carte de traître. Et comme je suis le plus rapide, je vais enfin gagner aujourd'hui. Hé hey les gars, je suis à nouveau un civil. Je voulais vraiment être un traître, essayer ce rôle. Mais je suis à nouveau un civil. Je suis un civil dans la vie et un civil dans le jeu. D'accord, j'ai une sorte de mission, il faut que je l'accomplisse. Carton de 4, je pense que j'ai l'impression que c'est toi le traître. Non, c'est toi le traître. Pourquoi je serais le traître? Non, je suis sûr que c'est toi le traître. Et moi, je suis sûr que c'est toi le traître. Et je suis sûr que tu es... Je ne sais pas, c'est tout, allez, dégage de mon chemin. Non, c'est toi qui t'en vas. Pousse-toi.
Ok, toi ça suffit, allez. J'ai une mission, vous êtes sur mon chemin, tu es certainement un traître. Préparons-nous, d'accord. Allez, je vous surveille. Carton 4, je pense que ça doit être un traître. Ah! Comment c'est possible ça? Le jeu vient de à peine de commencer et il a déjà été mis KO. Il n'y avait personne d'autre ici. Il n'y avait personne d'autre ici que à part un carton 4. Il était sûrement en train de venir ici et il m'a bloqué le passage. Je crois qu'on va devoir se retrouver à nouveau tous les deux. Qui c'est qui ose demander une réunion? J'ai presque fini là. Eh oui. Oui, Pacha, t'as réussi. J'ai même pas fait ma mission. Pourquoi t'as convoqué la réunion si tôt? Ok, attends, ce n'est pas du tout tôt parce que... Oui, on vient juste de commencer le jeu, mais quelqu'un a déjà assommé Freddy. Et je sais même qui c'est. C'est Carton 4. Ce n'est pas moi. Je t'ai vu là-bas et t'avais un comportement bizarre. Oui, mais j'allais juste là-bas. Et toi, tu partais de là. Et tu ne m'as pas laissé passer. Il venait de la scène du meurtre. C'est lui qui a assommé Freddy. Je l'ai vu là-bas, tout comme je vous ai vu ici. Eh bien, c'est aussi comme ça que je le vois maintenant. Bon, ok, c'est pas important. De toute façon, voyez l'idée. C'est lui. Ouais. Je pense que c'est lui aussi. Je crois. Je vote pour Carton 4. Regardez ce malin. Apparemment, ce sera le tour le plus court. Je suis aussi contre Carton 4, je crois, Pacha. Bien joué, Alina. Non, ce n'est pas moi. C'est pas ça, le traître. Je vais voter contre lui. Je crois que c'est la blonde qui brûle les pistes là-bas, cette con. Ah, la brune. Vous avez organisé une réunion spéciale pour détourner les soupçons. Carton 4 est exclu du jeu, c'est sûr. C'est un tricheur. Bien pensé, mais ceux qui me connaissent bien savent que je n'aurais pas eu une idée aussi parfaite en tête. Moi, je suis pour la blondasse, quoi. Oui, j'ai compris. Donc, 2 votes pour Pacha et contre Carton 4, c'est 4. Allez, Carton 4, montre-nous quel est ton rôle. Allez, montre-moi, c'est bien toi. Vous vous trompez, je suis un gentil. Pacha, t'as dit que c'était Carton 4 et ce n'est pas Carton 4. Je me suis trompé, je pensais vraiment que c'était lui, qui agissait suspicieusement. À mon avis, c'est ce que tu fais, suspicieux. C'est toi qui nous a dit que Carton 4 était le traître. Je pense que tu es énorme et bleu, donc tais-toi le bleu. T'as compris? Je vous l'avais dit, bande de mongols. Allez, on va jouer, la brutine merde. Et oui les gars, allons jouer ensemble et surveillons-nous les uns les autres. Tu as des questions à me poser ou quoi là? Réglons ça comme des hommes. Ouais, comme des mecs. Ah non, c'est une blague, on s'amuse. Tu ne peux pas faire ça, Jeff. Aïe aïe aïe. Très bien, t'as de la chance de vivre pour l'instant. Je vais aller à ma mission, espèce de conne. Oh, c'est ma mission, les gars! Ok, les gars, j'ai compris. Si vous devez casser les commentaires avec les likes, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour moi et pour vous, la mission. Il semble que ce soit une mission commune. C'est tellement cool que vous puissiez jouer à ce jeu cool avec nous. Les gars, allez juste en dessous de la vidéo et mettez un like. Ces likes iront directement sur la comète. Et il y en a 4, alors il nous faut beaucoup de likes. Les gars, allez, s'il vous plaît, les gars. Oh, ils volent. Waouh. Oh, les gars, encore 3 comètes. Oh, le voilà! Waouh! Oh, il reste 2 comètes! Encore un peu! Chargeons le canon! Wouh! Oh! 2 comètes en moins, les gars! Merci beaucoup d'avoir aidé à briser ces comètes, les gars! Vraiment! La réunion s'est très bien passée. Personne ne s'est douté que j'étais le traître. Et tout le monde pense même que c'est Pacha. Je me suis aussi débarrassé de Carton 4. Mais maintenant, je vais faire encore mieux. Je vais éteindre toutes les lumières. Ce sera plus facile pour moi d'attraper tout le monde. Nous n'aurions pas réussi sans vous. Et je suis prête à vous remercier 1000 fois. Oh, 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 mais pourquoi il fait si sombre? Je ne vois rien. Oh, les gars, le traître a éteint la lumière. Je ne vois rien. Il est urgent d'allumer l'interrupteur pour que tout le monde puisse voir où il est. Oh, oh. Et voilà, tout le monde a peur de moi parce que je fais peur. Et j'aimerais être ami avec quelqu'un. Un
merde! Mais je vois rien, merde! Eh, c'est pas l'interrupteur! Ah! Oh, le voilà, il est allumé, c'est mieux! Ah! Oh! Ben, je vois plus mes missions, mais qu'est-ce qui se passe alors? Attends, qu'est-ce qui se passe? Encore un en moins. Maintenant, il sera encore plus facile de gagner. Pourquoi tu me fais peur, Sacha? Je l'ai pas fait exprès, tu m'as fait peur aussi. Je viens de rencontrer le vrai Slenderman. Il a failli me kidnapper. Ah, de quoi tu as peur, Aline? Grâce à ton spray amical, ils sont tous devenus gentils et il n'a pas voulu te toucher. C'est vrai, il est gentil. Maintenant, les gars, j'ai complètement oublié. Mais dans tous les cas, ça me stresse. Que les lumières s'éteignent et qu'on soit là avec des monstres. Oui, c'est pas génial, hein. Qu'est-ce que tu proposes, alors? Marcher ensemble, toi et moi. Serais-tu un imposteur par hasard? Non, et toi? Je ne suis pas un imposteur. Très bien, alors nous allons rester ensemble, ok? Pacha, j'ai une mission à faire dans les toilettes. Allez, je m'en occupe et tu vas rester me protéger. Ok, allons-y, Alina. Bien sûr, je vais t'aider. Pacha, j'ai une mission là-bas. Je ne sais pas, j'ai peur. J'ai peur. Ok, bon, je suis un homme, j'y vais, allez. Je vais en avant, ok. Pacha, pourquoi tu crées... Oh, comment? Non, je viens de commencer ce tour. Et déjà, quelqu'un a été assommé. Je ne comprends pas comment ça s'est passé. C'est si rapide. Oui, c'est trop rapide, ça. Et suspect. Regarde, allons appuyer sur le bouton. Allez. Attends, Aline. Quoi? Regarde ce que j'ai trouvé ici. C'est quelqu'un qui a été pris. Écoute, Aline, je crois que j'ai compris pourquoi tout le monde ici s'est venu si vite. C'est clair. Ouais, très vite. Et la lèvre bleue. Oui. Tu comprends toi aussi, n'est-ce pas, là où je veux en venir? Allez, nous allons à la réunion. Oui. Nous allons découvrir qui est le véritable imposteur, c'est promis. Pourquoi avez-vous convoqué la réunion si rapidement? Parce que quelqu'un ici est en train d'assommer tout le monde dans le jeu. Et ça, très vite! N'importe quoi, rapidement. Plutôt très très lentement. Ah, c'est intéressant que ce soit toi qui dis ça, là. Parce que regarde ce que j'ai trouvé sur la scène du crime. Eh, tu sais pas à qui ça pourrait appartenir exactement? Dis-moi. Peut-être j'ai laissé ça en courant vite quelque part. Ça ne veut rien dire. Je ne sais pas. Je pense que c'est Sonic qui le traite dans ce jeu. Parce qu'il est très rapide. Et en conséquence, il est rapide et peut s'occuper de tout le monde. C'est pourquoi que nous perdons autant de joueurs très rapidement. C'est logique, non? C'est vrai. Les gars, est-ce que quelqu'un a vu Sonic Exit dans les toilettes? Personne, parce qu'il est très rapide. J'ai tout expliqué déjà. C'est ce que je pense aussi. Oui. Je pense que le traître, c'est Sonic Exit. Qui est avec moi? Sonic, il est temps pour toi de dévoiler toutes tes cartes. Oh ouais. Oui. Slenderman fait ça si drôlement. Ouais. Il est silencieux et puis après il applaudit. Les gars, c'est l'heure. Au prochain tour. Allons-y. Oh, allez là, des nouveaux monstres. Allez, vite, ils vont sûrement nous attaquer. Pulvérise. Ça ne marche pas, Pacha. Ça ne marche pas. C'est la fin pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Désolé, je voulais pas, vraiment pas. Ça a marché, Alina, ça a marché. Stop, Alina, ils vont bien maintenant. Tu as toujours le spray, n'est-ce pas, Alina? Non, je n'ai pas utilisé notre spray. Comment ça s'est passé tout ça? Comment c'est arrivé ça? Les gars, moi j'ai un spray amical, alors c'est bon. Et c'est lui qui avait le deuxième spray. Ah, je vois maintenant, je n'ai jamais douté de Spider-Man. Les gars, joue un Among Us. À quoi? Among Us. Ah, enfin, c'est génial. Allez. Distribuons les cartes. Les gars, tout le monde a distribué des cartes. Au fait, Pacha, nous avons un homme qui joue à la fenêtre cette fois-ci. L'ami de l'arc-en-ciel bleu. Toi, Pacha. Qui? Pacha, toi. Oui, c'est de moi qu'il s'agit. Je suis Alina. Vas-y, le prof. Le bleu, c'est Agiwagi.
Et le rouge, c'est Spider-Man. Salut à tous. Est-ce que tout le monde a compris son ouais. rôle? Oui, oui. C'est par en nous. Allons-y. Tout le monde en avant. Eh les gars, enfin regardez, je suis un imposteur. Je me suis fait dans le pal civil, mais un traître. Et maintenant, je vais essayer ce rôle dont je rêve depuis longtemps. Le rôle d'un méchant, c'est génial. Mais pas dans la vie, bien sûr, hein, mais dans le jeu, c'est drôle. Alors, qu'avons-nous ici Oh, regardez, c'est Aline. Et elle sera ma première victime. Bon, maintenant, pour qu'elle n'entende pas, prudemment, la la la... Ah. Pacha, qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu juste un peu de ça. Attends. Pacha, arrête de me donner des coups. Je vais te donner des coups, moi. Ah oh, attends. Alors, c'est pas comme ça que c'est censé se passer là. Je suis censé te frapper avec ce truc et tu vas tomber et ça va être un joueur en moi là. Parce que c'est comme ça que c'est censé se passer. T'es un tricheur parce que je suis un vrai imposteur. Regarde, j'ai même une carte. Voyons voir, je suis... Tiens, regarde, je suis un vrai imposteur. C'est bizarre parce que moi aussi je suis un imposteur. Des imposteurs ensemble, est-ce que ça arrive au moins? Apparemment, c'est en train de se passer ici et maintenant. Alors en fait, c'est plutôt amusant. Parce que quelqu'un choisit un moi de deux... C'est intéressant. Très bien, travail d'équipe ensemble. Comme on dit, une tête c'est bien, mais deux têtes c'est génial. D'accord, une et demie, je précise. D'accord, Pacha, on y va. Allons-y. Trouvons nos victimes. Je suis déjà en train de faire la mission. Je dois taper les chiffres dans le bon ordre. J'ai presque terminé. Morty, qu'est-ce que tu fais ici? Les gars, je suis en train de faire une mission. Vous m'avez fait oublier ce que je devais faire. Et maintenant, je ne vais pas accomplir ma mission. Mais je vais faire mon devoir. Oh, Pacha, t'es tellement en colère. Et je le suis. Pascal, en sommeil. Alina, c'est la traite. Sortons d'ici. C'est bon, regarde, tu m'as sauvé. Et en plus, on les a assommés tous les deux en même temps là. C'est génial, non? Écoute, Pacha, d'un coup, presque dès le début du jeu, Pacha, faisons profit pas avant que quelqu'un nous voit. Non. Allez, fuyons d'ici parce que personne nous a vu encore. Allez. L'homme derrière la fenêtre. Quelqu'un a assommé l'homme à la fenêtre. Et ma vie, elle est là. Le jeu vient de commencer, nous avons déjà perdu deux. Et qui a pu s'assommer deux au même endroit? Nous devons organiser une réunion super intéressante et importante. Bloquons la porte. Super. Il s'est fait prendre. Ah ouais, c'était moins une, hein. Maintenant, écoute-moi bien, Pacha. Tu vas maintenant trouver soit l'ami bleu de l'arc-en-ciel ou Agi Wagi et tu l'assommes. Et la victoire est à nous. Ah, ok. Super. C'est par en nous. Voilà, Agi Wagi. Je t'ai trouvé. Bien ici. Ok, les gars. Ma mission est de démarrer ce générateur. Remplir d'essence. Eh bien, je suppose que je dois d'abord le trouver. Ah ah, tu n'y trouveras rien. Mais moi, je t'ai trouvé. Ah! Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, fais un pont. Ah! Oh, j'ai failli l'avoir. Et pourquoi cette réunion encore une fois là maintenant là? Pourquoi tout d'un coup là? C'est moi qui ai organisé cette réunion parce que j'ai trouvé deux personnes assommées. Tout d'un coup? Comment on peut tuer deux personnes en même temps? C'est très étrange, ce n'est pas possible du tout. Ce n'est pas possible, ça ne se passe pas comme ça normalement là. C'est une sorte d'erreur. On était tous ensemble, on est là et on est au courant de rien. Nous avons fait le travail ensemble, c'est sûr. Oui. Nous ne savons rien. Moi je pense que c'est Oogie Woogie. Parce qu'il fait semblant d'être stupide, mais en fait, il est super sournois. Je peux pas accepter ces missions, elles sont super débiles. Alors, j'en ai fait aucune. C'est tout, voilà quoi. Elle aime pas ce jeu. Oui, je l'ai vu en personne manger notre bateau. Je suis pour Agi Wagi. Oui, moi aussi. Et en fait, je te soutiens, Alina. Parce que je ne t'ai pas vu faire des missions non plus. Moi, je suis pour Alina. Ouais, moi aussi, je vote pour Alina. Oh, ça fait deux.
Oui, oui, c'est un match nul, là. Un match nul? Alors continuons à jouer! Oui, continuons de jouer! Pacha, attends. Écoute, maintenant nous devons labourer en plein avec toi. Toi et moi, nous devons agir de toute urgence. Sinon, nous serons démasqués. Ouais, qu'est-ce que tu suggères alors? Oh, j'ai une idée. Regarde, Pacha. On va juste éteindre les lumières et ils devront passer par la grande pièce. Et en tant que les lumières sont éteintes, ils ne verront pas. On pourra les assommer en pain. Vraiment. Oh, un plan génial, Si nous en éliminons deux, nous aurons déjà gagné. Donc mon plan devrait fonctionner. Oui, Alina, tu es forte. C'est parti. Pacha, nous sommes à couvert. Allez, éteins les lumières. Allons-y. Hé les gars, vous savez à quoi je pensais? Que nous devrions nous serrer les couilles, honnêtement. Je fais pas confiance à ces putains de blogueurs. Je vous ai certainement pas fait confiance non plus. Mais j'ai pas vraiment le choix, quoi. Je suis contre toi parce que tu m'as traité d'abruti. Alors voilà. Allez, oublions les reculs, quoi. Non, je ne ferai pas équipe avec toi. Oh, la lumière est partie. Qu'est-ce que t'as dit? Marcher ensemble, ça me dérange pas du tout. D'accord, c'est ça. Mettons toutes les roquettes de côté. Je sais qu'il y a un interrupteur dans la salle de douche et nous pouvons l'utiliser pour allumer les lumières de tout le vaisseau. Viens, je vais te montrer. Regarde, ce sera super. Allez, viens avec moi, c'est ça. Mais voilà, il faut aller dans la salle de douche. Oh, je vois rien. Il fait noir. Oui, Aggie Woggy, n'aie pas peur. Allez, va tout droit et c'est tout. Regarde, ils sont déjà là. Assommons-en deux et gagnons ce jeu. Allez. Aggie Woggy, n'aie pas peur. Tout droit, il y a un interrupteur. Il suffit de tirer et d'aller là-haut. Ah. Ouais. Il s'avère que Pacha, toi et moi avons déjà gagné. Oui, comme nous. C'est si rapide, si clair. Il n'y a pas d'animation de victoire ou quelque chose comme... Oh, quelqu'un a allumé la lumière. Qui a allumé la lumière? Je suis pas con. Ah, c'est... C'est Foggy Waggy qui a allumé la lumière. C'est lui qui a fait ça. Et maintenant, vous allez payer parce que vous vous êtes foutus de ma gueule. On ne rigolait pas. Dépêche-toi, vite. Cours, cours, cours. Pacha, ferme-la. Aide-moi, aide-moi. Mais on est où? Alina! Les gars, bonjour à tous! Je ne sais pas ce qui se passe ici, je tiens une sorte de carte et je suis entouré de beaucoup de gens avec des costumes bizarres. On est comme dans une sorte de prison. C'est comme sur les manettes de jeux vidéo. Mais je suis où, moi? Mais c'est qui tous ces gens-là? Ah! Les gars, j'ai trouvé d'autres cartes comme celle-ci un peu partout. Il y a des cercles et des triangles comme ça. J'étudie la géométrie depuis la 6e année, je sais plus moi. Je crois que j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Je suis contente que nous soyons tous ensemble. C'est probablement parce qu'on a appelé ce numéro. Eh mec, on vous a aussi proposé de l'argent sale ici et maintenant? Oui, je pensais que c'était un spam, on voit ça tout le temps. Non mais tu vas encore t'endetter, hein? Non. Oh! Bonjour les amis. Hey! Mais qui c'est tous ces petits gars? Et félicitations les gars! Vous êtes les 15 chanceux à avoir participé au Squid Games! C'est quoi ce jeu de calamar? C'est super chelou comme nom ça! Je ne sais pas, je n'ai jamais joué à des Squid Games avant! Je ne sais pas, eh bien nous avons appelé le numéro, on nous a offert de l'argent! Cela pourrait-il avoir un rapport avec l'argent? C'est un jeu, j'aime les jeux, c'est pourquoi je vais jouer! Tu crois qu'on va jouer pour de l'argent? Je pense que oui! Eh bien c'est comme ça que les défis fonctionnent! Et si les autres ont déjà joué au jeu de calamar? Et nous? Nous n'avons jamais joué, nous allons perdre! Détendez-vous, nous allons traverser tellement de défis auparavant en tant qu'équipe! Bah ouais, on a déjà joué à ça. Les gars, c'est Squid Games. Le calmar est un poisson. Bah, c'est probablement le backgammon. Je crois que ce sont deux expérimentations. Je crois qu'ils ont déjà commencé. Il y a un numéro ici. Tu l'as appelé ou quoi? Non, j'ai appelé un. Chacun de vous a ses cartes. Cela signifie que vous êtes devenu un participant à notre jeu. Vous serez en compétition pour une énorme somme d'argent. Vous pourrez gagner 1 million d'euros. De nombreux défis différents et intéressants vous attendent, mais celui qui y perd devra abandonner ou mourir. Allez, distribuez. Un petit goûter avant de commencer. Oh merci.
Mais j'aime les chips au petit déjeuner en général. Y aura-t-il du lait? Il a l'air de ne pas être très frais. Au moins, c'est pas des flocons d'avoine. Quelqu'un peut me donner un muffin à moi ou quoi? Je suis là, prends-le pour moi. Tiens! Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup, mon bon monsieur. Stop! Peut-être est-il empoisonné. Je te l'ai dit, ils ont mis quelque chose dans la nourriture. Pouh! Pourquoi est-ce que c'est si dégoûtant? Oh mec, attends. Oh les gars, j'ai un bouton rouge sabonné dans le pain. Écoutez, c'est la chose la moins agréable à manger dans un petit pain. Mince, les gars, je suis affamé. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi ici, alors je crève la dalle. C'est pourquoi j'aimerais manger correctement, comme les gars là-bas. Et ils ont des petits pains frais. Le mien, un bouton rouge. Mais tu sais quoi? Vous pouvez m'aider et faire en sorte que ce bouton ait un bon goût. Vous savez comment le faire? Il suffit de descendre en dessous de la vidéo, de trouver ce bouton d'abonnement rouge juste ici, de cliquer dessus et il devient un délicieux bouton gris. Bah vas-y, clique dessus. Allez, appuyez sur le bouton rouge tout de suite. Wow! C'est une autre chose maintenant. Merci beaucoup, téléspectateurs. Au moins, Bruno va manger maintenant. Maintenant, je vais retrouver mes forces. Bah, c'est bon, maintenant vous avez bien mangé. Maintenant, on peut commencer à jouer. Chacun d'entre vous a un numéro sur sa poitrine. Alignez-vous de 1 à 15, et après, suivez-moi. Oh, j'ai 200. Ah non, au contraire, 002. Moi, j'ai 5. J'ai un 7. Safik, quelle est la tienne? Moi, j'ai 00. Et c'est quoi ce chiffre, les gars? Ça fait 6, c'est presque 007, mais pas très un bien, très bien, allez en ligne. Allons-y alors. Bon, alors on y va, du coup. Oh putain. Mais Bruno, c'est quoi ce truc-là? Safik! Quoi? Viens me voir! Mais les gars, où est-on de toute façon? Ils vont nous ruiner comme ça. Pourquoi tu cries? Peut-être que le premier qui sera. Hop, il ira direct. Ah ouais? Safik, quand est-ce qu'ils vont nous laisser partir? Eh ben, c'est le premier qui rentre à la maison qui a gagné, non? J'ai juste des choses à faire pour la soirée. On t'a pas enlevé ta montre? Ben, elle est collée. C'est après une farce d'Artium. Et tu me les as recollées aussi. Bienvenue au premier match. Vous avez 1 minute et demie pour franchir cette ligne. Il y aura derrière vous une fille debout, dos à vous, qui chantera une chanson. Dès qu'elle a fini de chanter, chacun de vous doit s'arrêter et se figer. Celui qui le fait pas est éliminé du jeu. Écoute, Safik, j'aimerais rentrer chez moi plus tôt. Alors, pourquoi ne pas perdre au début et rentrer à la maison? Et le jeu est assez simple. Il est donc possible de gagner. Alors, jouons vite. Gagnons et c'est ça. Et on rentre à la maison. Les gars, essayons de jouer. Et si ça ne marche pas, on laisse tomber et on rentre ouais, à la maison. C'est juste un jeu, quoi. Artium, s'il y a quelque chose à faire, c'est de perdre rapidement. Écoute, mon nouveau compagnon et moi avons discuté du fait que nous ne savons pas ce que c'est. Jetons d'abord un coup d'œil, puis nous verrons ce qu'il faut faire. Pas vrai, mon frère? Je pense qu'on peut y arriver tous les deux, mon pote. Mais les gars, qu'il est tenté de fusionner avant? Regardez là, il y a plein d'argent dans la boule. Il doit y avoir 1 million, je pense, si ma vue ne fait pas défaut. Il y a vraiment de l'argent là-bas. Eh bien, Pacha a raison. On peut essayer de se battre. Et gagner. Et toi, t'abandonnes, toi. Eh bien, laissons les choses aller comme elles vont. Nous ferons le tri au fur et à mesure des événements, comme ils viennent, quoi. C'est vrai. Très bien, maintenant, c'est parti! Ocola, tose, mena, cocola. Le numéro 8 est sorti! Ocola, cose, mena, cocola. Je ne peux pas bouger. Et tu voulais perdre? Rapidement, maintenant, perds. Je pense que c'est mieux de ne pas perdre ici, hein. Pour être honnête, les gars, ça fait un moment que je me chie dans mon froc. Ocola, cose, mena, cocola. Le numéro 11 est sorti! Il m'a poussé! Ocola, cosi, mena, cocola. Merci, Bruno! Écoute,
On n'a pas le droit de perdre du tout. Les filles numéro 4 et 15 sont sorties. Laura. Les gars, je suis le dernier. Je ne sais pas si je peux le faire ou pas. Ocola, cosi, mena, cocola. Ça fait que on a réussi. C'est Nautune. Pourquoi tu m'as appelé ici? Zut, Arthur m'est toujours là-bas. Les gars, je vais être un peu en retard, c'est fou. Les gars, le gars en face de moi a une jambe. Il s'accroche à peine. Ocola, cosi, mena, cocola. Ne refaites pas ça. Regarde, regardez. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 décrocheurs. Numéro 4, bye. C'était un mec normal, quoi, vraiment. Je pense que c'est réel et pour de vrai. Ils le mettent dans une sorte de boîte noire. Et clairement, ils vont pas le renvoyer chez lui. La boîte ressemble à un cadeau. Je veux pas être ce genre de cadeau, moi. Ok, maintenant les gars, jouons sérieusement. Jusqu'à la fin. Et même pas pour 1 million, mais pour que nous rentrions chez nous normalement et vivants. Vous savez, quand j'ai appelé ce numéro, les gars, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je n'avais aucune idée. Je ne pensais pas du tout qu'on va tuer des gens. Aline, écoute, tu entends? On ira jusqu'au bout ensemble, on prendra le prix, on aura chacun 100 000 et on rentrera chez nous. Je te jure, tu m'entends? Et si on n'arrive pas à vivre jusqu'à là, comme Alyosha, et pif, et c'est tout? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quoi? Il n'y a rien d'autre à faire, on doit jouer, et puis c'est tout quoi. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Pourquoi vous parlez pas? Qu'en pensez-vous, hein? Bah, désolé pour les gens qui sont morts, mais on doit jouer, c'est tout. On attend le jeu suivant, et nous allons jusqu'au bout. Eh bien... Félicitations pour avoir gagné et réussi le premier défi. Et maintenant... Passons au suivant. Allez, allez, on y va. Il faut juste qu'on fasse une queue. Écoute, c'est quoi ce jeu qui va se commencer là? C'est pas très clair. C'est certainement pas une sorte de lapta ou de football. C'est loin d'être du foot, Safik. Les gars, j'espère que c'est des dames. Je suis un pro en la matière. Donc, vous avez 5 minutes pour faire une figure avec le biscuit au sucre que vous avez trouvé. Vous pouvez utiliser une aiguille de votre kit pour réaliser cette figure de façon soignée. Le concurrent, dont le biscuit est cassé, est éliminé du jeu. Bon, allez, on commence un par un. Allez à la table et prenez votre bicarbonate de soude. Oh Dieu, merci, c'est le cercle. Ta ta ta. Pfff. J'espère que j'ai trouvé le bon, hein, maintenant. Ils ont l'air trop très bons, ils ont l'air bons. Oh là là. Un rond, c'est super! Ça va être le plus facile à découper! C'est bien, c'est cool, c'est cool! Bon, nous devons choisir une forme aussi simple que possible parce que... Eh bien, ça serait dommage de sortir après le deuxième jeu! Triangle, les gars! Très bien, allez, Safi! Je vais prendre le plus proche et j'espère avoir de la chance, quoi! Safi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alina! Est-ce que j'ai une étoile? Tu peux le faire! T'as une étoile parce que t'es notre étoile! Mais c'est probablement la partie la plus difficile! Les gars, j'ai déjà choisi un biscuit, mais je vous donne une chance de deviner ce que je vais prendre! Quelle forme? Triangle, cercle ou étoile? Et je vais choisir ce biscuit! Vous avez le temps de deviner ce qu'il y a là-dedans! J'y vais! Vous écrivez pendant que vous y êtes! Mon carré est tombé! Ok, très bien, maintenant, déplace-le.
Les gars, quel genre de figure avez-vous? Je ne sais pas, je pense que j'ai une silhouette assez simple. Mais quand même, je ne l'ai jamais fait avant, donc je pourrais perdre. Bruno, j'ai un cercle, c'est le plus facile ça, non? Pascal, donne-moi ce truc-là, je veux essayer de la soulever, parce qu'elle s'est collée. Bah ouais, c'est sucré, c'est du caramel. Ouais, c'est bon, tiens, Pascal. Oh. Hey les gars, j'ai un triangle. Et qui l'a deviné, je l'aimerai dans les commentaires. Et au fait, les gars, c'est parlé, il est temps d'agir. Les gars, l'étoile, c'est la chose la plus difficile qui soit. Je pense que ça marche. Il veut faire un trou. Regarde, regarde, ça marche. Ouais, vous trouvez pas ça? Les gars, mon biscuit est en train de se casser. Il va se casser, là. Au moins, la fissure va tout au long de la couture. Voilà, les gars, vous voyez, c'est parti. Arthur, ça marche vraiment. Regardez ce qu'ils ont trouvé. Ils lèchent avec la langue. Il faut essayer. Tu peux juste faire ça avec les mains en tour, comme ça. Regarde, j'ai presque terminé. C'est bon, j'ai compris, j'ai pas besoin d'aide. Oh merde, tu l'as cassé ou quoi? Il l'a tué. Bon, les gars, restez calmes, parce que si nous commençons à être nerveux, nos mains vont commencer à trembler, et alors nous allons perdre. Les gars, j'ai une moitié fêlée, mais elle tient toujours le coup, je crois. Nous devons aller jusqu'au bout, Safik. Mais pour l'instant, elle tient encore, et je pense que je peux la voir sans trop de problèmes, vraiment. Oh, il regarde, c'est tombé. Bah, la mission est terminée. Bon, Monsieur Triangle, regarde, Monsieur Triangle, c'est pas mal, ça. C'est bon, c'est normal. Bon, ça va. Ça veut dire qu'on va pas me tirer du coup. Bon allez les gars, on y va? Je vous attends près des lits, ok? Pacha est vraiment cool. Tu as vu comment il l'a fait en premier? Mec, c'est génial. Les gars, j'ai décidé que je ne vais pas rebondir. Je vais juste sortir la figurine elle-même d'ici, c'est tout. Regardez, un autre morceau est tombé. Il ne me reste plus grand-chose. Eh bien, un peu plus de la moitié. Pour l'instant, ça va. Les gars, vous devez faire super gaffe, sinon c'est chaud, quoi. J'ai tout juste le carré, la ligne, s'il vous plaît. Safik. Tiens, il vient de tuer Safik. Nous devons rentrer à la maison. Finis donc ton cube correctement. Mince. De plus, le minuteur commence de s'épuiser. Non. J'ai fini, moi! Bien joué! 2-5! Pow! Hé, Triangle, regarde ça! Bonne chance, les gars, je m'en vais! Les gars, il me reste encore une rayure à faire et je survivrai! Et toi, tu dois survivre, compris? Un autre moi! Mince! Je sais déjà ce que je dois faire, Artyom! Allez! Mec, allez! Triangle! Je regrette de ne pas avoir étudié la géométrie à l'école! J'aurais su comment les découper! Tu peux y aller. Bruno, tu peux prendre une bouchée. Mais tu l'as déjà toute léchée. Yes. Désolé, Safik. Écoute, Safik était un bon ami en général, n'est-ce pas? Allez, sors déjà. Je reviendrai bientôt. Je l'espère. Bon, il ne me reste qu'un peu de temps. Les gars, c'est en honneur de Safik. Je n'ai pas le droit de perdre. Voilà. Tu as vu ce triangle? J'en ai un comme sur ton front. Vas-y. Et Safik? Et nous emmenons Safik avec nous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mec, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Regarde. Où allez-vous, Safik? Safik, tu m'entends? Safik! Safik, tu as encore une miette là-bas. Mince, tu vas l'éliminer comme ça dans la grotte? Lâchez mon ami! Safik! Vous êtes tous des monstres! Que
faites-vous tous ici de toute façon? Mince! Les gars, mais... Et c'est passé quoi avec sa fille? Vous êtes venus sans lui? Ils l'ont mis devant moi dans cette boîte noire et l'ont emmené quelque part. Oh, mais non, pas sa fille. L'onde ne pourrait être... Voilà. Alina, ne t'inquiète pas. Bruno, Pashka et moi allons sortir ensemble. Et nous partagerons l'argent et tout ça. Et si au final, dans ce jeu, il n'y en a qu'un qui devait survivre, et puis que tous les autres, ils sont foutus, et c'est kaput. Mais non, arrête. Mais tu ne devrais pas du tout penser à ça. On est de moins en moins. Je sais plus quoi penser. D'abord Lioche, et puis sa fille. Je sauverai pas si je perds encore un ami. Peut-être on s'enfuit, hein? Non, c'est encore eux. C'est lui qui parlait de l'évasion. Personne ne l'a dit. Chut, on va discuter de ça après. Tu te moques de moi? Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, ce n'est pas le jeu le plus facile à jouer, n'est-ce pas? Vous êtes en sous-nombre. Je vous félicite d'avoir réussi le test, mais le jeu continue. Allez, suivez-moi. Je ne te laisserai pas mourir. Alors sois avec moi. Je suis juste à côté de toi déjà. Écoute, Alina, tu crois qu'il y aura du foot dans The Squid Game? Je suis pas sûre. Ça fait qu'aimer le football. Il avait l'habitude de me dire comment ce hat-trick, la balle en cuir, pourrait être marquée. Il aimait aussi les dames. L'essentiel était qu'il ne soit pas des dames. Mais il n'y avait pas de pions ici. Et il n'y en aura probablement pas. Alors, vous allez maintenant vous diviser en deux équipes, de deux personnes chacune. Et vous allez tirer cette corde, qui est juste là. L'équipe qui peut tirer la corde sur elle-même autant que possible gagne. Et les participants qui sont renversés ces dés sont éliminés du jeu. Divisez vos équipes, vous êtes prêts? Allez, c'est parti! On doit être ensemble! Et tu as fait de la gym, toi, hein? Je suis plus fort que toi, pourquoi tu poses des questions? Moi, je trouve un pote, moi, tranquille! Mais n'importe quoi, je suis la seule fille ici, j'ai personne! On peut les vaincre! Merci beaucoup de me prendre, je pensais que personne va prendre une fille. Je vais le faire pour les deux! T'es tellement grand! Tu vas réussir, toi! Je suis plus fort que toi, tu le sais parfaitement, pourquoi tu poses des questions? Bien, donc, frappe-moi dans le ventre! Ah! Je le sens, d'accord, je suis avec Alina! J'ai trouvé un remplaçant pour Safik! Oh, salut Safik! Ouais. Salut! 1, 2, 3, 4, 5! Et puis moi aussi j'ai un nouvel allié là, mon nouveau pote! On va tous vous battre! Pashka, pourquoi n'es-tu pas dans notre équipe? Tu es! Bah regarde ça, il faut lui donner à manger à tout ça! On n'a pas beaucoup d'argent et moi j'ai beaucoup d'argent! Avec mon poteau, on a des idées! Donc tu dis que tu as abandonné toute notre équipe pour que tu puisses faire plus d'argent à des fins égoïstes, c'est juste... Je vais en dire plus. T'as laissé Arthur. Donne-lui une baffe, Alina. Voilà, ne touche pas, il est avec moi. Pacha, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jouer contre tes amis? C'est lui le premier qui est venu me voir. Mais je te dis de le lâcher. Ouais. Maintenant, on sera plus amis dans ce jeu. On va se battre jusqu'à la fin. Et on va gagner. Vous êtes sérieux ou quoi? Pour l'argent? Tu vas tuer tes... amis, hein? Des vies sont en jeu. S'ils ne meurent pas, c'est nous qui allons mourir. Bon, ok, ça suffit. Les deux premiers, allez à la corde. C'est parti. Allez. Oh, mince, ils n'ont pas touché les cubes. Ah, tu l'as tué. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Je peux pas regarder ça. Alina, nous sommes les prochains. J'ai un plan, mais je t'en parlerai un peu plus tard. Et maintenant, la prochaine paire. Bruno, tactique suivante. Enlève tes pantoufles. Enlève. Ils sont glissants. Range-les, puis... on tire, on donne du mou, et puis hop. Mais il faut frapper le rythme. Allez, on va essayer. Mince, Pacha, c'était ton choix. T'as compris? Alina, allez, prends la corde. T'aurais pu être avec Artyom. Allez, on va leur montrer, Pacha, tu vas voir. Ouais, vous allez voir, là, avec ou sans chaussons. Bon, c'est bon, là, c'est droit? Les abonnés, regardez bien qu'ils font pas de tricherie. Allez, c'est parti. Allez, on tire. Allez. On fait un pas.
Sean ne reviendra pas. Mais il a fait son choix lui-même. C'est de sa faute. L'important, c'est qu'Artium est resté. C'est un ami loyal. Bon, les jeux vont bientôt commencer. Nous voici à un nouveau jeu. Quelles sont les règles? Pourquoi y a-t-il des boîtes ici? Il doit y avoir des outils là-dedans. Et nous allons ouvrir des coffres forts avec ces outils. S'il y a un airbag dedans, avez-vous ce gadget dans les tendances? Mais en fait, ça me rappelle quelque chose vraiment comme avant. Non, ça ne l'est pas. Et je le vois pour la première fois. Très bien, petit cube. Allez, dis-moi les règles. Il y a 20 boîtes devant vous. Vous devez aller jusqu'au bout en choisissant l'une des deux boîtes. Ceux d'entre vous qui iront jusqu'au bout sans échouer passeront à l'étape suivante. Celui qui échoue, malheureusement, est éliminé du jeu. Maintenant, courez à la table pour choisir un numéro dans la boîte dans l'ordre où vous allez compléter le défi. C'est parti. Les gars! Alors, celui qui part en premier risque de mourir? Je vais choisir le numéro en première! Mais tu as perdu toute ta tête! Quoi, perdu la tête? C'est l'idée la plus saine, d'ailleurs. Mais elle y est allée elle-même. Elle va choisir, là. C'est ton meilleur ami avec qui tu vis. Tu ne t'en soucies pas vraiment? C'est ta colocataire. Prenons juste les cartes et tenons-nous dans l'ordre qui nous tombe. Ouais, les gars. Vas-y, vas-y, en premier. Saute, c'est bien. Du coup, je suis premier? Je suis avant-dernier. Arthur! Wow, je peux suivre cette trace et ne pas prendre de risques inutiles. Allez, allez, vas-y, vas-y. Mais t'as une vie de plus, toi, grâce à lui? J'en ai trois, en fait. Donc on est juste des vies en plus pour toi, alors? Non, je ne veux pas y penser. C'est fort. Beau gosse, ici. On sortira tous ensemble et on partagera l'argent entre amis. Et hop. Artyom, fais attention. Tu vas tomber dans l'abîme. J'ai trouvé. Mais félicitations. Ok, je suis le suivant. Allez. On y va. Qu'est-ce que tu restes sur place, tu penses? Allez, vas-y, saute. Écoute, tu veux y retourner? Allez, c'est toi le prochain. Allez, Artyom, dans l'ordre. Je n'y mets pas le suivant, je n'y irai pas. Et Artyom, il n'y a plus beaucoup de boîtes ici. Ok, alors... il a dû sauter sur cette boîte et aurait dû sauter sur celle-là. T'en auras plus besoin de ça, mon frère. Artyom, tu as une chance sur deux. Presque aucune chance. Tu es sûr de pouvoir passer plus loin? Ok, Bruno. Rien que pour toi! Pourquoi que pour moi? Artyom! Hé, hey, Artyom! Maintenant, je suis le premier. Il a ouvert tant de boîtes! Et sur lesquelles il a couru? À gauche, à droite, après à gauche. Rassemble-toi! Bon, tiens, pourquoi tu fais ça? Je l'ai déchiré aussi. Maintenant à gauche. À gauche. Et après à gauche. Oui, je vois. Allez, rattrape-toi. J'attrape. Bon, c'est probablement comme ça maintenant. Mais après, on fait comment? Attends. Laisse-moi venir à toi. J'ai besoin d'aide. Donc... Donc tiens-moi. Que vas-tu faire, Aline? Donc tu me tiens. Je suis en train de marcher dessus. Regarde, il doit être vide là. Vraiment vide. Alors c'est l'autre? Laisse-moi me tenir sur l'autre. Je te vérifie. Allez, je te tiens. Celui-ci est un peu plat aussi. Oh non, c'est bon. Je tiens. Ne cherche pas encore, nous tenons bien. Viens là. C'est comme s'il était vivant. Il a les meilleures pantoufles qui sont restées. Il est là aussi, il est là. À droite. Le droit. Oh oui, on a réussi. Oui, allez, saute. Ah oui, on a terminé. Nous avons passé tout le chemin. Maintenant, on peut ramasser ce ballon et rentrer à la maison? Et c'est la fin? Non. Un seul d'entre vous gagnera. C'est l'heure du dernier défi. Comment ça? L'un de nous? Aline, je peux terminer. Moi, je me rends. Non, tu peux pas faire ça. Ce n'est pas juste de jouer comme ça. L'un de nous va mourir de toute façon. Je préfère de mourir pour toi. Non, ne dis pas ça. Celui
gamer meurt et arrête de jouer les rôles là où il ne faut pas. Promets-moi que nous jouerons honnêtement. Bien sûr que oui, pas de tricherie. Allez, commençons déjà ce jeu. Voici le dernier défi. Maintenant, vous allez choisir une enveloppe chacun. Votre tâche consiste à retourner l'enveloppe de votre adversaire avec un pierre-papier-ciseau. Celui qui le fait gagne. On va jouer à pierre-papier-ciseau pour décider qui commence. Allez. Pierre, tu commences. Bon, ok, maintenant moi, jouons honnêtement. Honnêtement. Alors vas-y, retourne. Mince. Presque. Presque retourné. Maintenant moi. Mince. Est-il possible de les retourner? Ou allez-vous nous torturer ici jusqu'à la fin? Mince. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne veux pas que ça marche. C'est toujours à côté pour toi. Mais toi aussi, tu étais comme ça toute la vie. Retourne-le. Retourne cette enveloppe. J'aimerais pouvoir le faire. Quel est le problème? J'en ai pas d'amis.